putain. Allô, tu m'as mis la Game Boy Color? Dégoûté. Dites-vous qu'à ce moment-là, juste avant, il y a un mec, il est parti avec au moins 40 jeux et il y avait des hits de ouf dedans. Mais bon, je sais pas, il a laissé plein d'autres trucs cool, donc on a profité quoi. Je vous montrerai ça à la fin de la vidéo. Faut que je quand même. Hein. Allez, mais bah après, ça dépend ce que vous. Et. Ça pique Tucker Yu-Gi-Oh ? Ah, moi, de plus en plus, hein. Bon, les gars, on était à Saint-Maur là, on est venu à Chennevières là. Ouf, la brocante. C'est pas fou. L'erreur qu'on a faite d'être parti. Il y a des trucs qu'on nous a dit qui ont popé, on a loupé à Saint-Maur. Non ! C'est pas fou. Franchement. Ah, restez dans vos brocantes du 7-7 parce que. Fou, c'est trop grand. Je suis triste là. C'est quoi cette journée de con là? C'est tant sympa. Comment ça y va, du Pokémon? Enfin. Je vais te pleurer, chef. C'est encore de la commu, chef. Je m'éclipse loin du troupeau pour aller trouver des bails. On va regarder s'il y a des bails intéressants. Pokémon. Mais rien que des communes, on aurait dû rester à Saint-Maur. Putain, pourquoi on est bien à Chennevières? Hé! T'as trouvé quoi là? T'as trouvé un truc avant ou pas? Hé! Mais ça va ou quoi? Putain, t'es venu bien équipé hein. Toujours, attends. Attends, là tu vois, là c'est des petits trucs. Ça c'était au gala que j'ai eu à 10 balles. 15 mois ça, on voit ça dans une vraie société là. Et ça c'est les restes. C'est magnifique ça. Je vais sur le troupeau, une nouvelle fois. Parce que Kimiki est trop coté frère, tout le monde lui parle. Ah, nous on vient pour les affaires, faire des petites troubailles. Donc tu vois, nous on s'éloigne. On est conscient de la mission, tu vois, on lâche pas. Là-bas, Yanis, il y a du monde pour. Oh, 10 euros. Et ben voilà, on commence à avoir des chances quand on s'éloigne du troupeau. Constantine, ça okay. C'est 2 euros. Ah, sympa, vous avez eu ça? Je viens d'acheter, ouais. Celui-là, celui-là aussi. Ok. Ah, sympa. Vous avez acheté ça combien? Ouais. J'ai payé les 3 classeurs à 15 euros. Donc, ok. Et c'est pour vous, puisque vous connaissez? Non, c'est pour mon fils. Ah, ok. Nickel. Voilà. Bonne journée, du coup. Merci aussi. Il me dit, ah, coño, ha entrado usted, ya está pidiendo el día de descanso. Si? Les gars, même les darons qui connaissent pas, ils ont acheté pour leur fils. Vraiment, Pokémon Yu-Gi-Oh, c'est vraiment une dinguerie, genre. Alors les gars, comme ça, vous avez trouvé du Pokémon Gardien de Cristal et tout? Non. Déjà, tu commences à nous sortir des hits comme ça, là. Le classeur est chargé. Et t'as eu tout ça pour combien? 50 centimes la carte. Non. Ah ouais, j'allais dire. J'ai acheté quelques-unes à 1, 2, 3. T'es fort. Oh, le carapuce, il est ouf. Ah ouais. Et... Un. Tu voulais me la donner? Mais non. Oui. Je suis le 5. Je suis aussi me la donner. Bon les gars, du coup on est retourné à Saint-Maur puisque celle de Chennevières on a vraiment rien trouvé. C'était vraiment nul. Tiens, il y a pas de Pokémon. 10 centimes. Scalper. Pour une fois je me fais plaisir les Scalper. Gars. Ouais, ça va, c'est pas des cartes de cou. Hein, arnaqueur. Regardez les cernes, ça. Nouvelle. J'en veux plus. Nouvelle miniature. Au moins ça. En plus, j'ai acheté d'autres trucs, attends. Ça fait, c'est stylé. Non, ça, c'est très stylé. Ouh. Ça aussi, c'est stylé. Ça aussi, c'est très stylé. C'est très, très stylé. Oh, hey, t'as dégainé des hits là, t'as pas dit hein. Ouais, franchement, ah, frère, du l'état, frère. 40 balles d'arrivée, c'est une dinguerie. Les gars, comme j'habite pas loin, je suis parti faire. Je suis parti vider mon sac. C'est un truc de fou, vous imaginez pas là. On était avec Kibiki, genre tous les trucs. Tous les lots, les classeurs, les cartes qui nous sont passés sous le nez. Parce que voilà, bah, c'est comme ça, faut que ça tourne un peu la chance. Mais c'était. Enfin genre c'était fou le nombre de trucs qui ont popé grave intéressant. Genre des cartes du bloc ex et tout, des classeurs de fou. Et même comme ça, en arrivant après la guerre, on a quand même eu des trucs grave intéressants, tu vois. Du coup, 4 euros, les jeux, oui. Parce que j'essaye de m'asseoir un peu là derrière. Faut pas sous-estimer 14h. Bon les gars, du coup, petit trésor de tout ce qu'on a acheté. Du coup, bah, des petites cartes Pokémon qu'on a trouvées en fin de brocante, genre à 17h.
Donc c'est bien, des petites, petites cartes GX et tout qu'on a payé 40 centimes. On a trouvé cette petite pop, tu vois, du titan femelle, payé 10 balles. Ensuite, les gars, le Resident Evil Survivor, qu'on a eu, je crois, pour moins de 10 euros. Rockman X Command Mission. Franchement, pareil, je sais plus, je crois que c'était payé en lot entre 5 et 10 euros. Donc, le Mickey Mania Super Nintendo, franchement, pareil, celui-là qui fait plaisir. Donc, à savoir, c'est que tous les jeux, là, c'était entre 5, 10, 15, 20 euros. Celui-là, je crois que je l'ai payé 2 euros. Kid Paddle, je l'ai acheté sur un stand. Tout ce lot-là, c'était des jeux à 1 euro pièce. Donc, pareil, le Magical, c'était que des jeux, voilà, je crois que même payé moins d'un euro. Mais bon, les Just Dance, tu connais, c'est un peu les jeux... On s'en fout. Le bien, c'est qu'on a eu des petits playmats. Alors, les gars, pour ceux qui connaissent vraiment de ouf, c'est la collection légendaire du monde de Yugi. Donc, c'est des sets aujourd'hui qui... Ouf, chaque holo, je crois, c'est 5, 10, 15, 20 balles. Donc, le playmat vaut un petit peu d'argent. On est aussi trop content. Un petit album payé 10 euros. Donc ça, franchement, super content. Je crois que dedans, t'as le Metal Gear Solid que je voulais pour y jouer. Il y a un jeu Jap aussi. Le Quackshot Mega Drive. Donc vous voyez la boîte, tout est nickel, tout est mint. Même la notice, elle est dans un état archi propre. Un jeu comme ça dans cet état-là, c'est assez rare. Tu vois, je crois que payer 15 balles. Petit manga, pareil, payé 2 euros. Et le petit Silent Hill. Pareil, très content d'avoir ce petit hit que je n'avais pas. Mario Kart, oui. Je crois qu'on l'a eu à 5 euros. C'était du Sonic, payé 5 euros. Le Sonic 2, aussi pareil, 5 euros. Petit jeu. Franchement, Game Boy Advance, c'est trop cool. Le petit Guilty Gear PS1. Soul Calibur, c'est cool. J'ai eu la Dreamcast depuis peu, donc je vais pouvoir le tester. Petit Final Fantasy aussi, trop cool. Payé, je sais pas, 5 balles, des trucs comme ça. Donc ça paraît pareil. Le tout a été payé 20 balles.